Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto qui va aujourd'hui traiter de la chanson de Barbara, Dis, quand reviendras-tu? Alors, cette chanson est assez complexe, les accords sont pas évidents à faire, il y a très très peu de possibilités pour la simplifier. Si on veut vraiment qu'elle sonne pour pouvoir la chanter correctement. Il y a quand même une petite solution pour éviter certains accords barrés, je vous la donnerai en fin de tuto, il n'y a aucun problème. On va tout de suite voir les accords qui jalonnent cette chanson. Bien, je vais vous montrer donc tous les accords qui sont utilisés dans cette chanson. Donc sur l'intro, Barbara fait en fait un La septième diminué, que l'on fait en appuyant sur la corde de Mi à la cinquième case avec l'index, sur la corde de La à la sixième case avec le majeur, sur la corde de Ré à la septième case avec l'annulaire, puis sur la corde de Sol et de Si avec l'auriculaire à la huitième case. Ce qui nous donne cet accord. Alors, dans l'intro, Barbara utilise aussi cette note à la cinquième case, corde de Sol. Donc, pour l'intro, on va faire un grand barré sur la case numéro 5, en posant notre majeur et notre annulaire. On va jouer les quatre premières cordes. Puis, on pose notre auriculaire sur corde de Sol et Si à la huitième case. Et on répète ces deux notes ensemble. Bon, dans le tempo, l'intro nous donne ça. Puis Barbara entame le premier couplet, et c'est le seul couplet où elle utilisera la septième diminuée en premier accord. Seulement là, elle va l'utiliser dans sa forme la plus simple. Donc, index, cinquième case, corde de Mi, majeur, sixième case, corde de La, annulaire, septième case, corde de Ré, et auriculaire, huitième case, corde de Sol. Et on ne joue en fait que les quatre cordes graves. Bien, ensuite, dans cette chanson, on va trouver un La bémol majeur, que l'on fait en barrant toutes les cordes grand barré à la quatrième case, avec un accord en forme de Mi, puis un Fa mineur, grand barré première case, avec un accord en forme de Mi mineur, puis Si bémol mineur, grand barré à la première case, avec un accord en forme de La mineur, puis un Mi bémol, grand barré à la troisième case, avec un accord en forme de Do, et un deuxième La septième diminuée, donc qui se fait comme ça. Donc, barré sur quatre cordes ici, en bloquant la corde de Mi aigu, l'annulaire sur la corde de Sol à la quatrième case, donc le barré à la quatrième case, l'annulaire à la cinquième sur la corde de Sol, le majeur à la cinquième sur la corde de Mi et l'auriculaire sur la sixième case à la corde de La. Ça nous donne aussi un La septième diminué. Dans cette chanson, par contre, on n'aura pas besoin de la note faite par l'auriculaire. Je tenais à vous montrer quand même la position complète parce que vous risquez de la trouver de temps à autre. Donc ici, dans cette chanson, on n'a pas besoin de la note faite par l'annulaire. Donc on garde notre position, barré sur quatre cordes avec notre annulaire, cinquième case, corde de Sol, et notre majeur, cinquième case, corde de Mi grave. Par contre, on garde la corde de Mi aiguë bloquée par l'index, et on bloque maintenant la corde de La avec le majeur qui vient faire la basse, puisqu'on ne pose plus l'auriculaire, il faut bloquer cette basse, hein, la corde de La, et ça nous donne cet accord. Corde bloquée, trois cordes qui sonnent, corde bloquée. Voilà, on a vu tous les accords qui jalonnent donc cette chanson, à part un, oui, qui est utilisé également dans
dans le couplet, je crois, oui. C'est le si bémol mineur qui, au lieu d'être fait ici, on le fait ici, à cause d'une montée de grave, en fait. De cette montée de grave qu'elle fait dans le couplet. Donc la bémol, le la septième diminué, et donc le si bémol. On a une montée de grave ici, que l'on ne peut pas faire autrement et qu'on ne peut pas vraiment simplifier. Bon, sauf cet accord que l'on peut venir faire ici, puisqu'on a la même basse, mais je trouve plus simple, personnellement, de le faire ici, que de venir faire ça et de démancher vraiment de quatre cases pour venir faire le si bémol mineur ici. Voilà, vous avez donc tous les accords. On peut encore simplifier certaines choses en prenant ce qu'on appelle un capodastre et en le posant à la première case. Alors ça va un petit peu nous simplifier la vie pour ceux qui ne veulent pas faire les barrés première case parce que c'est assez compliqué. Donc ici, ben, pour le Fa mineur, on n'aura plus qu'un Mi mineur en fait à faire. Ici, pour le Si bémol mineur, on n'aura plus qu'à faire un La mineur. Et puis, pour cet accord un peu barbare qu'on faisait, donc grand barré, troisième case, avec un accord en forme de Do, le Mi bémol, on n'aura plus qu'une position de Ré à faire, Ré majeur. Par contre, il faudra faire attention de ne pas toucher la corde de La et la corde de Mi. Hein, voilà donc ces accords simplifiés. Et alors, ceux qui veulent pas faire le grand barré pour faire le La bémol peuvent toujours faire une position de Sol. Par contre, si vous faites la position de Sol, vous risquez d'avoir des difficultés pour l'enchaînement La bémol, La septième diminuée, Si mineur. Souvenez-vous de cet enchaînement. Là maintenant, on peut venir faire le Si bémol mineur ici ou ici, ça ne change pas grand chose en fait. Hein. Mais faites là pour moi, c'est à mon avis, ce sera pour vous plus compliqué de faire ça que de faire ça. Ou ça. Après, c'est à vous de voir quelles sont les positions dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Si vous préférez faire votre La bémol en forme de Sol ici, vous pouvez, ça gênera pas trop. Voilà. Vous avez vu tous les accords donc, de cette chanson. On va maintenant passer à l'interprétation proprement dite. Bien, voici donc le premier couplet avec l'intro. Cette interprétation commence par l'introduction que l'on a déjà vue. Puis le morceau est écrit en 3-4. Alors c'est un tempo de valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par contre, vous avez vu dans l'interprétation que Barbara accélère, elle ralentit, elle réaccélère, enfin le tempo bouge beaucoup. Ce que je vous conseille au départ, c'est de vraiment de la jouer à tempo et de garder le tempo. Vous choisissez un tempo et vous y restez, parce qu'autrement vous aurez vraiment beaucoup de mal pour la jouer. Donc ensuite, pour assurer ce tempo de valse, c'est le pouce qui va jouer les basses et index majeur et annulaire vont jouer accord.
les accords. Donc le pouce va jouer les basses sur la corde de mi et sur la corde de la suivant les accords. Et par contre, les trois autres doigts de la main droite vont jouer les accords et une fois n'est pas coutume, sur le tout premier accord de cette chanson en fait, la septième diminuée, ils vont être sur corde de la, corde de ré et corde de sol. Ça c'est assez inhabituel d'avoir ces trois doigts de la main droite aussi haut dans les cordes. Donc faites bien attention pour bien jouer ces trois notes. Hein, c'est pas habituel pour ces trois doigts de se retrouver aussi haut. Alors, on va tout de suite voir les accords et la position des doigts de la main droite pour jouer ces accords. Donc ici, pouce sur corde de mi, et donc index majeur et annulaire sur corde de la, de ré et de sol. Ensuite, sur l'accord de fa mineur, le pouce sur la corde de mi, et les trois autres doigts index majeur et annulaire sur corde de ré, de sol et de si. Sur l'accord de si bémol mineur, le pouce sur corde de la, les trois autres doigts toujours sur les mêmes cordes, ré, sol et si. Sur l'accord de mi bémol, le pouce sur corde de la, les trois autres doigts toujours sur ré, sol et si. Et sur l'accord de la bémol, le pouce sur corde de mi et les trois autres doigts sur corde de ré, de sol et de si. Il n'y a que sur le dernier accord de l'interprétation de ce couplet, quand on commence l'arpège en fait, que les trois doigts de la main droite, index majeur et annulaire, vont retourner sur corde de sol, de si et de mi, qui est en fait une position plus habituelle pour eux. Donc basse du pouce sur la corde de mi et index majeur, annulaire, sur corde de sol, de si et de mi. Cet arpège s'articule en fait pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Ça donne... savoir que on peut accentuer en fait la note la plus aiguë de l'arpège, c'est-à-dire la note que fait l'annulaire sur la corde de mi aiguë. Ça donne un mouvement en fait à l'interprétation de cet arpège. Donc voilà pour l'interprétation de ce couplet. J'espère que vous avez vraiment saisi tout ce qu'il fallait saisir. C'est pas très compliqué dans ce couplet, ça se compliquera par la suite, surtout dans le deuxième couplet que je vais vous expliquer tout de suite. Voici donc l'interprétation de ce deuxième couplet. L'interprétation de ce deuxième couplet, la grande différence avec l'interprétation du premier, c'est qu'on restait à tempo de valse dans le premier couplet. Par contre, dans ce deuxième couplet, on a l'introduction d'un arpège. Alors, l'arpège va commencer non pas sur le premier accord, qui est la bémol majeur, que là on joue toujours basse, accord, accord, 1, 2, 3. Mais on va commencer notre arpège sur le la septième diminué, qui en plus ici, si vous avez l'œil exercé, vous avez pu voir que je le simplifie. Parce qu'on n'a pas besoin de la note faite par l'auriculaire ici, dans cette chanson, donc je ne place pas mon auriculaire. Par contre, je bloque la corde de la avec mon majeur qui vient faire la corde de mi à la cinquième case.
Donc, par contre, j'ai tenu à vous présenter dans la présentation des accords l'accord complet parce que vous le trouverez très souvent complet, hein, cet accord. Donc, j'ai tenu à vous le présenter complet. Ici, dans cette chanson, on peut le simplifier. Donc, on ne fait plus que le barré sur trois cordes en n'oubliant pas de bloquer la corde de demi-aigu. On pose notre annulaire sur la corde de sol à la cinquième case et notre majeur sur la corde de mi grave à la cinquième case en étouffant la corde de la. Et ça nous donne notre la dièse, la diminuée, la septième diminuée. Voilà. Donc l'arpège maintenant en lui-même, donc c'est pouce sur la corde de mi et index majeur annulaire majeur index. Sur corde de ré, sol et si. Donc pouce, index majeur, annulaire, majeur, index. 1 et 2 et 3 et. Et puis après, sur tous les autres accords, donc en respectant bien la position du pouce, hein, à savoir que tous les doigts vont rester sur les trois doigts de la main droite vont rester sur les cordes de ré, sol et si pour tous les accords. Simplement, vous vous souvenez, dans le premier couplet, je vous ai expliqué pour tous les accords où placer la basse. Donc ici, sur la corde de mi, ici, toujours sur la corde de mi, c'est le même arpège. Ici, ça va passer sur la corde de la, puisqu'on est sur le mi bémol. Les trois autres doigts restent sur les mêmes cordes. Et ici, sur corde de mi. Ici sur corde de mi, ici sur corde de la, puis vous avez remarqué ici sur le mi bémol, on reprend notre tempo de basse, de valse, pardon. Puis là on reprend toujours sur le tempo de valse. Notre dernier arpège, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie, donc pouce sur la corde de mi grave et puis index majeur et annulaire sur corde de sol si et mi. Voilà pour ce deuxième couplet. Voici donc l'interprétation de ce troisième couplet. Vous avez pu le voir dans ce troisième couplet, pas de difficulté particulière, c'est les mêmes accords que dans le deuxième, sauf qu'on reprend notre tempo de valse. Alors faites toujours attention à la position de votre pouce hein, et à l'attaque de la bonne basse, corde de mi ou corde de la. À savoir que nos trois doigts ben, ne bougent pas de la corde de ré, de la corde de sol et de la corde de si. Il n'y a que pour le dernier arpège que maintenant vous connaissez sur le la bémol majeur que nos trois doigts descendent sur corde de sol, si et mi. Donc aucune difficulté pour ce couplet. On va maintenant voir le refrain qui, tout au long de la chanson, est le même, hein, sauf à la fin où il y a une petite coda. Une coda, la coda, c'est la fin. Hein, en italien, coda, c'est la queue. Donc c'est la fin du morceau. Allez, on va voir tout de suite la fin et, évidemment, le refrain. Voici donc l'interprétation du refrain.
Bien, vous avez pu voir dans l'interprétation donc de ce refrain qu'il y a un arpège, donc avec l'index sur la corde de sol, le majeur sur la corde de si et l'annulaire sur la corde de mi. Les basses, eh ben, fiez-vous à ce que je vous ai donné tout à l'heure. Faites les bonnes basses pour chaque accord. Donc le refrain commence sur un Fa mineur. Donc on joue pour cet arpège pouce et annulaire en même temps. Majeur et index. Quand on ne fait pas la basse, l'arpège c'est annulaire, majeur, index. Donc pouce et annulaire en même temps sur le premier Fa mineur, le deuxième Fa mineur, annulaire, majeur, index, le troisième Fa mineur, annulaire, majeur, index, on passe sur l'autre accord, on fait la basse, le deuxième Si bémol mineur, pas de basse, le troisième, pas de basse, Mi bémol, on fait la basse, et La bémol, on fait la basse. Ici, on va refaire la basse sur le La bémol, parce que c'est une nouvelle phrase musicale qui commence. Donc on fait la basse, on fait la basse sur le Fa mineur, on fait la basse sur le Si mineur, on fait la basse sur le premier Mi bémol, le deuxième Mi bémol, on ne refait pas la basse, et on fait la basse sur le La bémol, on fait la basse sur le changement d'accord, le Fa mineur suivant, on ne fait pas la basse, le Si bémol mineur, on fait la basse, le suivant, on ne fait pas la basse. Ensuite, on a Mi bémol, mais là, on reprend notre tempo de valse. Donc, on joue 1, 2, 3, et puis, là, je n'ai mis que la basse, puisque sur cette basse, juste après, elle reprend le couplet. Donc voilà pour ce refrain, on va voir maintenant la fin. Bien, alors voici la fin de la chanson. Je vais reprendre aux deux Fa mineurs, deux Si bémol mineur, et juste à la fin, là, enfin, ces quatre, cinq derniers accords. Donc voici la fin. Donc vous avez pu voir dans cette fin que sur le Fa mineur rien ne change, sur le Si mineur rien ne change, sur le Mi bémol rien ne change à part qu'on termine sur la basse qu'on laisse sonner, et ensuite elle fait un arpège sur le La bémol, donc pouce sur la corde de Mi, index sur la corde de Sol, et majeur et annulaire ensemble sur corde de Si et Mi. Donc ça donne, ensuite on refait le Mi bémol, donc là la basse a changé, attention, corde de La, le Si bémol mineur, le Mi bémol et le La bémol. Donc cet arpège a bien maîtrisé basse, index, majeur et annulaire en même temps. Et là vous avez vu en fait qu'elle ralentit à la fin. Hein, le dernier accord, donc on joue la basse, on laisse le pouce posé sur la corde de La, et ensuite on donne l'accord entier en l'égrenant. Donc voilà ce que ça donne pour la fin. J'espère que vous avez tout saisi. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Cette chanson n'est pas vraiment simple à jouer. Je sais que vous y passerez du temps.
Moi, j'ai passé du temps pour arriver à l'interpréter aussi. Évidemment, je vais beaucoup plus vite que beaucoup d'entre nous, mais c'est normal, hein, avec un petit peu plus de pratique, c'est logique qu'on y arrive un peu plus vite. Notamment pour tout ce qui est recherche d'accords. Bon, je ne vous demanderai pas de la jouer comme je vous l'ai montré là, parce que c'est quasiment impossible pour vous, pour ces accords qui sont vraiment très très compliqués en fait. À jouer, bon, il y a vraiment des grandes particularités. Franchement, si vous voulez mettre le capodastre, hein, je vous en voudrais pas, et simplifier les accords. Par contre, faites très attention au tempo. Jouez à tempo au départ, hein, n'essayez pas de faire les accélérations et les ralentissements qu'elle donne. C'est vraiment très très compliqué à jouer comme elle le fait. Je vous souhaite vraiment bon courage sur cette chanson. Parce que vraiment, c'est pas évident du tout. Allez, je vous dis au revoir et à un prochain tuto.